Bonjour à tous, chers amis du Petit Ballon. Nous voici en compagnie de notre cher grand sommelier Jean-Michel Delu. Bonjour à tous, bonjour Martin. Qu'allons-nous déguster aujourd'hui? Vous m'avez parlé d'un vin de copain et moi ça me plaît ça. Oui, c'est un vin pour tous les jours quand on boit du vin tous les jours, bien évidemment, mais c'est le vin sympa. Alors c'est un peu la mode actuellement de planter du Merlot dans le sud de la France parce que effectivement le Merlot est un cépage plutôt généreux dans le fruit, etc. Il n'y a pas d'aspérité, donc ça se boit dangereusement. Ça se voit bien. Voilà, donc on est dans le sud, hein, on est dans Pays d'Oc, évidemment, sur un domaine que l'on connaît, le domaine Marmorière, évidemment, et sur du 2015. Parfait. Hâte de le déguster. Voilà, c'est le Merlot avec le soleil. Alors, à l'œil, c'est... Ouais, il y a une belle couleur, ouais. C'est pas si noir que ça, mais il y a une belle couleur. Et puis on voit, c'est un 2015, il commence à peine à évoluer, hein, juste un petit peu début d'évolution, ce qui est normal, brillant, limpide. Bon, ça a l'air un vin, on le voit déjà à l'œil, qui va se boire très facilement. Parfait. Au nez. Nez fruité, sur des fruits à noyaux, on a un petit peu de fraises, de framboises. Une note légèrement fumée, qui lui donne une certaine distinction, je trouve. Un vin qui a une jolie complexité, mais dès le nez, on sait que ce vin va être agréable à boire. On confirme la couleur, voilà, il va être agréable à boire tout de suite. Ok. En bouche. C'est bon ça. Voilà. Souple, rond, fruité. On a des arômes de cerise qui se rajoutent un petit peu en bouche. Une acidité bien fondue. Des tanins derrière légèrement poivrés qui relèvent un petit peu la finale. Bah, moi, je trouve ça superbe. Trop bien. Trop dangereux. Ça, c'est vrai. Ça se boit bien, faites attention. Donc, évidemment, si ce style de vin, vous le servez, moi, je recommande de le servir quand même un petit peu plus frais, hein, autour de 15-16 degrés, n'hésitez pas. Donc, ma question tombe à l'eau. Donc, ensuite, c'est que, avec quoi on va le manger. Voilà, donc, je répète pour te satisfaire, il faut le boire à 16 degrés. Merci. Voilà, et là, c'est cuisine de tous les jours, la cuisine bistrot, la cuisine sympa. L'apéro. La charcuterie, le plateau de fromage. Voilà, ça, c'est un vin, moi, j'adore parce qu'il n'a pas de complexe, il se laisse faire, il se laisse boire. Ça fait plaisir. Voilà, donc c'est quand même un cépage Merlot, donc il y a quand même une certaine distinction, une certaine classe. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Jean-Michel. Le Marmorière, la cuvée. Marmorière 2015, cuvée Les Pans, parce qu'il y a des pans qui se baladent dans la propriété. Ils les ont pas encore mangés. Parfait, bah, je pense que c'est mieux. Merci beaucoup, Jean-Michel, et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.